J'ai beaucoup aimé ce poème. C'est bon. Donc, ça parle de génération, tout ça. Puis, c'est plus philosophique. Donc, j'aime ça. J'adore. J'ai beaucoup aimé ça. Je pense que c'est important de dire que j'ai pensé la même chose de ce poème-là, parce que c'est plus philosophique. C'est le type de poème, c'est mon type de poème préféré. Et pour moi, c'est plus touchant. Ben moi, j'ai aimé ça. Moi, j'adore l'automne. Donc, c'est ma saison préférée ici au Canada. Mais c'est la première fois que je vois un texte qui caractérise l'automne de cette façon-là. C'est pour ça que je l'ai aimé. Donc, ça me donne une autre vision par rapport à l'automne, par rapport à ce que j'avais dans ma tête. Donc, je l'adore. Et puis, j'avais aimé le vers qui est là-bas. Le vent est le plus psy des éléments. Mon Dieu, c'est un peu beaucoup d'imagination lorsque je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé. En plus, le vert, moi, ça m'a attiré aussi, la couleur du papier. Un peu de tout. Oui, ça, c'est, je suis d'accord avec vous. C'est excellent. Exactement. Oui. Il est vert, puis il est rose. Puis aussi, j'ai beaucoup aimé l'orange. Puis, il est beau. Fait que... Un poème descend entre les nuages de Mars, il neige du soleil. Ouais, tellement bien dit. Gardez ce que vous aimez, puis vous faites des échanges. Mm-hmm. D'accord. OK. OK. Est-ce que vous pouvez me passer le jaune? Oui, merci. Donc, on a un de commun. Oui, c'est ça. J'aime aussi parce que j'aime la première part. Oui. Ici, qui dit que le vent est le plus, puis c'est des éléments. Mm-hmm. Ben, moi, j'ai aimé aussi ça. Je sais pas, je vais le garder. Ça part de génération et tout. Donc, après celui-là, c'était celui-là mon préféré. Oui. Ok, c'est pas grave. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. Fait que... Tu restes sans ça? Ben oui. Voilà. Moi, je vais prendre qu'est-ce les que je deux. Te dis comme ça? C'est bon. Je pourrais essayer avec celui-là parce qu'il parle d'un chat. Ça me touche chats? Parce que j'ai un chat. C'est toute une chose personnelle. T'as trouvé un point pour ton chat. Oui, peut-être je vais lire pour lui. Avoir de la nuit. Oui, je pense qu'il va aimer. Il va aimer. Okay, puis moi, lorsque je lis ici la première phrase, les générations glissent, ça me fait rappeler un peu que le temps passe vite. Hein? On dirait que les générations passent très, très vite. On passe d'une vieille à de jeune à vieille. Donc, c'est vraiment, ça reflète très bien ce qui se passe et ce que nous vivons maintenant. Voilà. Dans le jardin, il y a une baignoire. Elle est pleine de fleurs qu'on appelle pensées. Pensées noires ou cœur jaune, pensées violettes. Les pensées sont plantées dans la terre. Dans la terre, il y a des arachides. Sous la terre, il y a des cailloux. Sous les cailloux, il y a le fond de la baignoire. La baignoire a des pattes et ne marche pas. Le jardin non plus, il vire. Ça se voit aux pensées qui tournent la tête toujours vers le soleil. Quand il pleut, elles boivent. Quand il fait nuit, on ne voit pas leur couleur. C'est encore une histoire, Dieu. Le poème descend d'entre les nuages de Mars. Il neige du soleil. La lumière déjeune de moi quand j'arrête de voyager à la vitesse du jour. Les étoiles craignent que je ne les regarde pas assez quand je néglige ma vocation de luciole.